messieurs les directeurs généraux, messieurs les directeurs des différentes directions au département du ministère de l'économie et des finances, je reviens d'une réunion de la Banque mondiale, de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et nous sommes arrivés quelque part vers 1h30 aujourd'hui et nous sommes là. Mais je dois vous dire que ce qui m'inquiète ou qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a eu des réunions des V20, c'est-à-dire que des pays les plus vulnérables du monde. Et parmi ces 20 pays se retrouve Haïti. Il y a une autre réunion de G7, des pays les plus pauvres. Encore une fois, se retrouve Haïti. Et je vois autour de moi des gens que je connais depuis des années qui ont un niveau acceptable, un cerveau, je pourrais dire qu'ils ont fait preuve de cohérence dans le temps. Et je me demande pourquoi notre pays est si pauvre. Ce que je peux vous dire en dehors de tout ça, c'est que nous avons eu l'opportunité de rencontrer des gens que nous considérons importants pour Haïti. Au point que j'ai dû utiliser une expression, j'ai fait exprès de le faire lors d'une rencontre avec le président, le vice-président de la Banque mondiale, en nous disant qu'un mot de trois, je suis poussière ou je suis Dieu. Nous sommes à un carrefour extrêmement important de notre pays où toutes les institutions trouvent normal de suspendre l'appui budgétaire octroyé au pays depuis des années. Nous savons tous ce que cela signifie pour nous. Dans le même temps, nous savons que tout les ministères attendent de nous que nous trouvions de l'argent pour d'éventuels projets qu'ils auraient. Ce que je peux vous dire, c'est que là maintenant, il va falloir faire preuve de bonne volonté. Il faut remettre en question ce que nous avons fait depuis des décennies. Depuis, je dirais que le pays a pris son indépendance. Jamais on n'a retrouvé des gens qui auraient suffisamment de bon sens pour comprendre que le facteur le plus crucial pour nous, c'est d'arriver à vivre ensemble. Arriver à faire que finalement dans notre pays, nous ayons compris que la clé de nos problèmes réside dans l'instabilité politique que nous vivons jusqu'à présent. Il n'y a pas moyen de trouver des investissements dans ce pays. Maintenant que l'on parle d'infrastructures, nous savons que nos infrastructures sont déficientes. Cela fait des années. Je peux dire, par exemple, dans le cas particulier de l'EDH, nous avons un réseau qui est là depuis plus de 50 ans. Il n'y a pas eu un seul dollar investi là-dedans. Nous croyons que chaque fois que nous avons une entreprise, on n'a pas besoin de ressources pour réinvestir. Il va falloir comprendre que le temps évolue, que la population évolue, que les technologies évoluent. Et qu'à ce titre, il va falloir tout le temps, si vous voulez, faire preuve d'une capacité de réinventer, de faire les choses autrement. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de remède à la pauvreté, sinon la richesse. Je crois que vous avez la capacité de travailler, ce que je demande, je n'ai pas parlé de M. Medellin jusqu'à présent, mais je crois que ce qu'il nous faut, c'est arriver justement à faire que lorsque nous arrivons au bureau le matin, nous décidons de travailler, nous décidons de remettre en question, nous décidons d'aller plus loin, nous décidons de faire que chaque jour, on puisse dire au niveau le plus élevé que nous avons des gens, parce que vous tous, la vérité ne sort pas nécessairement du sommet, peut se retrouver à la base. Je demanderai donc qu'au ministère, nous prenions l'habitude d'arriver à l'heure au bureau de travailler. Monsieur Metellus, je le connais depuis les bancs de l'université. Nous avons étudié ensemble. Nous avons fait un parcours ensemble. Nous sommes retrouvés sur d'autres terrains ensemble. Je regrette que le directeur général sortant ne soit pas là. Je l'ai aussi connu. Mais il arrive un moment où dans la vie, on fait des choix. Je lui souhaite d'arriver à réussir dans ce que j'appelle d'autres combats. Donc, à M. Metellus, je le dis et je le connais, c'est un dur travailleur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il est là depuis longtemps. Et nous tous savons quelle est l'importance du budget. Ce n'est pas un ministère de budget, mais c'est quand même pour nous savons que le budget est important. Parce que ce sont les budgets qui projettent ce que le pays sera dans un temps relativement court, la plupart du temps un an. On aurait pu aller au-delà. C'est à travers des budgets que s'exerce le contrôle, c'est à travers le budget que nous sachons, c'est-à-dire que l'on mette en évidence ce qu'est la politique du gouvernement à un moment déterminé. Ce que je demande à M. Metellus, c'est de faire preuve de beaucoup de sagesse, parce que nous sommes là pour un temps relativement court. Je souhaite que tout le monde comprenne que si nous avions un peu plus de sagesse, nous aurions pris une autre route conduisant à sortir Haïti finalement de ce développement. Merci beaucoup.